Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 14 juillet 2021. Les marchés sont partis en hausse ce matin encore une fois. Ça s'est tout dégonflé. Tout ce qui paraissait pouvoir faire un petit rebond puis décoller dans un cycle haussier, là, ça a tout tourné en queue de poisson. Je vais aller voir le Q. On va aller voir, c'est Apple qui tenait le marché ce matin. Oups, j'ai une coupe d'affaires, là. Juste enlever. Ah, oui, c'est correct. OK, je suis correct, là. Le marché, c'est Apple qui est encore en haut, mais Facebook est décollé en haut ce matin. Regarde, il est rendu en bonne baisse. Google est en train de se décrocher aussi. Amazon est revenu à zéro, Tesla est revenu à zéro, tous ceux qui étaient décollés, Intel, Qualcomm, tout ça, ça se dégonfle. Microsoft aussi est en train de retomber. Ça fait que, regarde, c'est encore sur le marché de Nasdaq, il nous reste 3 dixièmes à peu près, là. 35 centièmes qui nous reste. Regarde, le Dow Jones avec son décollage de ce matin, ça s'est tout dégonflé. Le SPY s'est tout dégonflé, TSX s'est tout dégonflé. Le pétrole était légèrement en hausse à l'ouverture, maintenant il est en baisse. Les stocks qui montaient, je l'ai dit ce matin, ça va tout dégonfler, ça s'est dégonflé. Puis l'argent n'arrête pas de descendre, puis l'or aussi, il redescend tranquillement. Il reste un petit mouvement sur l'or, mais c'est quand même... Pourquoi il n'y a pas de son? Je vais changer ma batterie. J'ai une petite faiblesse, ce ne sera pas long. Ma batterie était sur le point de tomber morte, mais il y en a du son, on me confirme que le son est bon. D'accord, OK, écrivez plus ça, là. On s'est confirmé que le son, il marche. OK, on s'en va sur les nouvelles. Bon, là, premièrement, le pétrole qui est en hausse ce matin, c'est une vraie joke, là, parce que les Émirats arabes unis ont conclu un accord préliminaire pour résoudre les impasses avec l'OPEP. Puis là, ils ont donné à l'État du Golfe un quota de production plus élevé. Ça fait qu'a déclaré un délégué. Donc, tu mets du pétrole sur le marché, ça ne va pas faire monter le pétrole.
Delta a annoncé son premier bénéfice trimestriel depuis la fin 2019, et c'était grâce aux aides salariales du gouvernement. Ça fait que les airlines, ce matin, qui étaient toutes en hausse, attendez un peu, je vais là, on met 100 minutes. Donc, le Dow Jones US Airlines était en hausse. Air Canada même a jumpé à l'ouverture. Regarde, ça s'est tout dégonflé. Air Canada, Transat, JetBlue est rendu négatif. Delta, avec son supposé profit, est rendu à zéro. Alaska Airlines, toute la gang. Hawaiian Airlines, puis name it. Celui qui montait plus que les autres, c'était AAL. Puis lui aussi est en train de complètement se dégonfler. Ça fait que... Puis Apple, parce qu'ils ont demandé à leur fournisseur de construire 90 millions dans le fond de nouvelle génération, une augmentation de 20 % par rapport à 2020, comme je disais ce matin, je suis pas sûr que 2020 est une référence. Ah, qu'est-ce qu'on me signale? USEG. Bon, on les pogne à mesure hein, quand il y en a, là. On va aller checker ça. On va fermer ça. USEG. Ah, OK, il est en arrêt de transaction, par contre. Oh, on est pas mal, on est à une résistance dans le haut du couloir. Bon, pour l'instant, ça ne fera pas grand-chose. On va regarder quand même si on ne va pas y trouver un petit spot de site parce qu'il y en a d'autres qui ne font plus rien. Tiens, Midi, on va enlever ça. On va mettre USEG, on va le mettre là. Puis ça, c'est tout nos day trades. Ce qui a bougé ce matin, ça bouge plus. Ça s'est tout dégonflé. On a eu quelques petits mouvements. Puis il y en a un de temps en temps qui se réveille. Donc, il vient de recommencer, USEG. Je vais le mettre en 15 secondes. Donc, on est sur le top du couloir. Ça, c'est pas le temps de l'acheter là. Il faut attendre une autre correction. Puis, parce que là, il y a bien plus de chances de revenir à 6,5 que d'aller à 8. Il va revenir là. OK, continue dans les nouvelles. Minim y obtient un premier de deux brevets fondamentaux pour le Wi-Fi intelligent. Bien, ça montait bien trop, ça, pour, c'est ce que je disais avant l'ouverture, ça va se dégonfler, parce que sur un brevet, là, une hausse de 4 piastres à 5 piastres et demi, c'était bien trop exagéré, fait que ça s'est tout dégonflé, MINM. Puis Custodian Venture, participation de 9 % dans Oxbridge, là, ça c'est une autre affaire, parce qu'un fonds, il achète 9 % d'une compagnie, regarde, ça aussi, ça s'est tout dégonflé. Donc, un gros coup d'épée dans l'eau encore, les marchés ce matin, hein? il n'y en aura pas de facile. C'est tout pour les nouvelles. OK. MRU acheté hier, 61$, analysé le titre. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avec... je pensais que c'était la construction qui recommençait, puis c'est un camion d'or. MRU acheté. OK, MRU, métro... j'ai fait le tour de la consommation de base ce matin, là. Regarde, ça continue pas. On n'a pas vraiment traversé solide. Il y avait même MRU qui montait depuis une couple de jours. TD.B, regarde, c'est fini, on revient de bord. Ça, c'est sa grosse résistance. Empire, qui semblait être... Je l'avais mis en premier parce qu'il avait l'air à vouloir décoller en préséance ce matin, mais ça s'est pas fait. Puis le volume est super faible. Ceux qui commencent à se corriger aussi, c'est Good Food puis MTY, là, sont rendus vraiment sur leur top. Ça, c'est des profits qu'on prend là. Puis Metro, il ne fait rien, comme les autres d'ailleurs. Ils ont comme arrêté de monter. J'avais acheté hier 61$, il va 61,13$, potentiel jusqu'à 66$. Bah, éventuellement, mais il n'est pas parti là pour aller là. Pour l'instant, là, il est complètement arrêté. Regardez les volumes des derniers jours. Des tout petits volumes. Hey, aujourd'hui, il y a 52 000 de volume là. OK? Puis il y a une moyenne de. Puis sa moyenne de volume, c'est 460 000 par jour. Fait que il y a 10 % de son volume normal. Ça fait que c'est pas aujourd'hui qu'il va décoller là. Il va falloir que vous soyez patient là-dessus. Ben, pour moi, à mon avis, c'était pas un signal d'achat hier.
Ben, il n'est pas négatif, là, mais 66 piastres, ça va lui faire toute une ride. Ça lui prendrait quand même un très gros cycle pour se rendre là. Mais peut-être. Mais pour l'instant, il est dans une phase complètement neutre. Regardez, là, il n'y a pas d'espace. Il va avoir une chance d'y aller lorsqu'on le verra passer à 61 piastres et demi. Achetez Lux à 22 cents, vendre ou garder. L-U-X. J'ai pas ça. Lux, ça doit être sur un autre petit marché. L-U-X. Je peux pas l'analyser parce que je l'ai pas le titre, Jeannot. Acheter Hydro One H hier. Non, il n'y a rien qui dit que c'était hier. Non, c'était le 6 juillet. Je mélange les deux questions. Hydro One 29,88 le 6 juillet. Là, il vaut 30 et 50. Ça va être l'ouvrage de passer cette résistance-là. Ça fait quand même un bon petit bout qui est collé là. Hein. Il a fait 50 cents par rapport au mois d'octobre. Il a fait 50 cents là. Fait que, avec sa grosse résistance qu'il y a là. C'est pas la meilleure position. Quoi faire? Moi, je fermerais ça, cette position-là, carrément. Je regarde TELUS après un grand couloir, il semble décoller. Les télécoms? Attends un peu. Rogers est sur son top. BCE est sur son top. TELUS est sur son top. À mon avis, c'est pas vraiment décollé. Regardez les petits volumes, encore une fois, là aussi. 383 000, puis il y a une moyenne de 2,3 millions. Fait que là aussi, il n'y a pas beaucoup de volume là-dedans. Ce ne sera pas le pire trade du siècle. Là. Le titre n'est pas négatif. Il est dans une grosse formation neutre, mais ça passe par des peanuts. Là. Vraiment, là. C'est mieux que rien, mais c'est loin d'être le signal du siècle sur ce petit volume-là. Je n'ai pas grand espoir à court terme. Bon, USAG, il aurait descendu. 6,70, 7,30, 30,60. Bon, il y a un range de 10 %, mais là, il est dans le milieu entre les deux. Fait qu'il n'est pas évident. Il est quand même assez actif, mais il est pas mal décousu, hein? C'est un titre... on va le mettre en 30 secondes. Un titre qui a décollé à 11 heures. Là, pour l'instant, il est en haut. Il était pas mal sur le haut de son couloir. Là, maintenant, il est dans une formation neutre. On n'a pas le choix de le mettre en plus basse, avec moins de données pour être capable de voir. Donc là, ça y prendrait la formation en s'allongeant, comme ça, là, une résistance, deux, puis ça, c'est sa troisième. Donc, comme ce serait un point d'entrée dans le 760, un graphique en 10 secondes, ça prendrait 250 000 de volume par 10 secondes pour avoir une chance de passer là. Il y a beaucoup, beaucoup de volume là-dedans. Puis là, ben, le point d'entrée, c'est 7,55, 7,60. SGOC Nasdaq. C'est-tu un no stock, ça? Oui, il est ici. Pour l'instant, regarde, ce matin, c'est un des titres qu'on a trouvé, un petit peu sur le tard, là, mais il avait fait encore un peu de mouvement. Là, il est complètement en déroute, en tendance baissière. Les volumes ont diminué, mais il reste quand même carrément à la baisse. Ça fait que je dirais que... Tiens, je vais l'essayer en 30 secondes, comme ça. On va changer son couloir, et là. Donc là, tu vois, il faudrait qu'il traverse la tendance et la résistance. Donc dans le moment, ce ne serait pas avant 14 piastres. Là, il s'en va à son support de 12,75. S'il décroche de là, bien, là, il y a des bonnes chances de rebondir, mais il pourrait se rendre à la fin de pogner sa ligne de tendance. Fait qu'il n'est pas encore hot pour l'instant. Pas tant qu'il n'inversera pas sa tendance et sa résistance. NFI 29,17 hier. Regarde, Delta continue à chuter.
NFI. NFI Group, hier, ça a été la fin de son petit cycle haussier de 2 jours, là, parce qu'il a inversé hier après-midi. Puis là, il s'en va sur son support de 27-25. Il a payé ça 29-17. Ouh, ça fait mal, ça. Faux signal que serait le point de sortie. Bien, c'était pas nécessairement un faux signal, c'était un signal tardif, OK? Parce que si vous le regardez, là, il était parti de 27 pièces et quart quand vous l'avez appelé, l'avez acheté à 29,17, là. On va mettre un petit peu moins de données, ça va vous allez le voir de manière un petit peu plus précise, là. Non, là, on n'en voit pas assez, par contre. Bon, comme ça. Donc, à 29,17, hier, c'était là. OK. Donc, c'était sur le haut d'un couloir, puis c'était après un cycle. Bien, ici, il y en a eu un, mais même, il y avait un bout qui avait même été fermé. C'était un cycle, deux cycles, puis c'était dans le haut du troisième cycle. C'était juste que c'était pas à point. C'était pas vraiment un faux signal. C'était un signal embarqué sur le tard, que je dirais. Là, quel est votre point de sortie? On l'a déjà traversé, là. Hier, il y en avait un à 28,70, puis il y en avait un encore ce matin à 28,10. Puis là, bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'en va à 27,30. Là, il s'en va sur son support. Mais c'est là, on achète ou pas, on n'achète pas. Parce que, regarde, comme tout le reste aujourd'hui, oups, il est tout en dégonflement complètement. Fait qu'il n'y a pas... apparence de virer de bord là, XELA. OK, 1, 2, 3 jours de hausse. Puis là, aujourd'hui, il a rendu à son top, il a plafonné là, puis il a reviré de bord. Puis là, ben c'est pas un signal d'achat, c'est plutôt un signal de vente. Puis il s'en va à sa tendance d'à peu près 3 pièces et demi. Donc, il y a encore un gros 10% de risque de chute là, pour l'instant que vous avez là. Fait que le timing n'est pas bon dans le moment. RCH Toronto paye 41$. RCH. Payer 41$? OK, bien 40,5$, un signal de vente sur Richelieu Hardware. Parce que là, regarde, il ne s'est même pas rendu à sa résistance cette fois ici. Puis là, bien, tout ce qui est en dessous de ça, c'est le signe qui s'en va sur le support. À très court terme, il n'y a rien de positif dans ça. Vous avez acheté ça le 9 juillet, qui était là. Donc, encore une fois, un signal acheté sur le tard à 41$. Puis là, bien, c'est bien clair que s'il chute là, à 40,5, il pourrait chuter jusqu'à 38,5. CTSH, achète à quel prix? CTSH. Ouf, pour l'instant, c'est encore un autre gros signal, faux signal, pardon. C'est encore un autre faux signal. Puis en plus, c'était sur un top de couloir. Il n'a même pas inversé sa résistance. Bon, je ne vois pas quand on pourra acheter ça. Là, ça ne m'apparaît pas intéressant du tout. C'est dans une tendance baissière. Il a fait un petit rebond aujourd'hui sur un volume extrêmement faible pour lui-même. 655 000, il y a 2,7 millions de volume moyen. Fait que je ne le vois pas autrement qu'à la baisse. Ce n'est pas pour tout de suite. Le secteur cannabis décroche à nouveau. C'est très difficile de trader. Je croyais qu'il avait atteint un bon support. Moi, je vous l'ai dit de faire attention. Ça fait longtemps que j'arrête pas de répéter ça, que le secteur n'est pas positif partout. Regarde, mes lignes sont toutes tracées encore. La seule temps que ça a monté un petit peu, là, c'est que pendant quelques jours au début de juin, c'est tout. Là. À part de ça, ça n'a rien fait depuis le mois de mars, ça. Fait que là, c'est vraiment très négatif, le cannabis, présentement. Moi, je recommande juste de rester loin de ça pour tout de suite. D'après vos graphiques, vos prédictions sur l'or TTGD, j'avais dit ce matin, après l'ouverture, sur des nouveaux hauts seulement, mais ça a tout avorté, c'est encore reporté.
L'or a décollé en hausse ce matin, est en train de se dégonfler, puis les titres aurifères, eux autres, qui n'ont pas passé, puis n'importe quel titre aurifère, il n'y a pas d'achat à moins d'avoir un nouveau haut. Donc, c'est comme HJU. Puis encore là, c'est du très court terme, parce qu'on n'est pas dans une tendance haussière, OK? Donc, le meilleur que j'avais ce matin, c'était Westdome, mais il a remonté à l'ouverture, mais il n'a jamais fait un deuxième mouvement, puis c'est ça que ça prenait. Il fallait qu'on fasse des nouveaux hauts partout. Franco-Nevada, il a ouvert en hausse, puis il est revenu. Ça fait qu'il n'y a pas de signal pour l'instant. Ça, le haut, pour passer par-dessus le haut des trois derniers jours, je suis in dans XPEV, ouch! Dans le faux signal du 1er juillet, 46 et 30, je dois mettre mon prix de vente 37,75. On va aller regarder les autos électriques, là, tout ce qui est auto électrique, composantes électriques, énergie renouvelable, cannabis, batterie, puis tout ça, là, c'est pas des signaux d'achat, OK? C'est le secteur, il est bien laid à part de ça. Regarde, on traverse, là, dans les FNB, là. On est en cycle baissier partout. Regarde, Taïga, il est en correction. On posait des questions encore là, ce matin. Il dit non, regarde, il faut que ça traverse, puis ça ne traversera pas, parce que regarde, tout s'en va par là. Regardez comment c'est négatif sur NIO. NIO, puis LI, puis XPENG. Vous avez ça, XPEV. Regarde, tout ce qui est nouveau bas est un signal de vente. Vous dites 37,75? Ouais. Oui, oui, c'est ça. Tout ce qui est en bas de 37,75, c'est en signal de vente. LIF, c'est un achat. Ça, c'est de l'acier. Ça m'étonnerait bien gros. Non, c'est pas un signal d'achat. Il y a bien trop de résistance. Il n'y a même pas une pièce de potentiel à partir de là. Il y aurait 50 cents de potentiel ici à partir d'un nouveau haut. Non, c'est pas hot, là. C'est pas le temps. Pas le temps de rien des mines non plus. Regarde, les mines sont toutes aussi en décrochage, là. Regarde, FM est en plongée, Tech est en plongée, HB va plonger, puis London est en plongée. Fait que tout ce qui est mine, tout ce qui est acier, tout ce qui est aluminium, pas hot dans le moment. GIB.A, nouveau potentiel pour un achat, je pense pas qu'il ait traversé. GIB.A, je l'avais dans le collimateur un matin. Non, c'est pas sérieux, ça, cette affaire-là. Regarde, ça monte un peu parce que le monde ne sait pas où aller ailleurs, là. Bien, OK, avec les infrastructures, ils vont peut-être faire de quoi, mais c'est pas clair que ces traversées-là, vous risquez d'être en train d'acheter sur un top. FUBO, c'est-tu un point? FUBO. Non, loin de là, regarde, c'est la même affaire que j'ai dit tantôt à propos des autos électriques puis de tous les autres secteurs, regarde, c'est la même affaire, on est en train de traverser un support important, puis ça devient un autre sommet négatif à long terme, OK? Fait que regarde, là, on met le pied en dessous du support dans ce couloir-là qui pourrait vous ramasser à 16$ avec ça. C'est vraiment pas le temps d'acheter ça, Richard. C'est plate, mais c'est la dure réalité du marché présentement. Regarde comment tout est négatif encore, là. Tu vas le mettre en une minute, là, au modèle. Regarde, Nasdaq va aller vers zéro bien vite. Le SPY est négatif, TSX est négatif, le Dow Jones est négatif, tout est passé négatif, tout ce qui a monté, comme hier, ça s'est dégonflé. Regarde, ça fait deux jours qu'il se passe exactement la même chose. Regarde, hier, on a monté, paf, ça a tout remonté. On a remonté là en matin, paf, on a tout redécollé encore. Puis, regarde, on a même passé le support sur le Dow Jones pour être à côté. C'est un support très important sur le SPY présentement. NEDG, on achète ou pas? Bien, il plantait un matin, là, NEGG, là. NEGG. Non, regarde, sa correction n'est pas finie. Je l'ai-tu ici? Où est-ce qu'il est mon graphique? Ah, il est là. Oups, USEG, il tombe en bas de sa chaise. Il est rendu de l'autre bord. Puis là, il est en arrêt de transaction ici, mais les acheteurs sont rendus à 5,75. Fait que, tu sais, il est embroché, puis il est en pour sortir de ça. NEGG.
Bon. Donc, les derniers jours, en tout cas, c'est le 6 juillet puis le 7 juillet là, qui était bien hot. Là. Il a fait une autre petite passe. Regarde, il a fait un faux signal hier, il a fait un faux signal le matin. Ben, ça n'était pas un faux signal, il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de signal là, tout simplement. Là. Ça avait juste l'air d'être un signal, mais ça n'en était pas un. Donc là, on va aller comme ça. Donc, tu vois, ça aussi, ça s'est tout dégonflé, puis ça aussi, c'est tout dégonflé. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, là, pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas traversé vraiment cette tendance-là, vous allez dire, c'est beaucoup d'argent. Entre 31 puis 35, il y a bien de l'argent. Ouais, mais même à très, très court terme, c'est justement, il va falloir garder un objectif très à court terme là-dedans. Donc là, il y aurait moyen d'aller chercher quelque chose, mais ça va dépendre des volumes qu'il va faire. Ben, on voit bien que c'est possible qu'il aille faire 32, 35, mais il faudrait qu'il passe à 32 avec dans un graphique en une minute. Faudrait qu'il traverse les 30, à 31 et 75, puis avec des volumes dans le 70, 80 000. Parce que quand il montait avec des très gros volumes. Visa, c'est un achat. V, ça m'étonnerait. Ah, ben, il a décollé hier, lui. Tiens, c'est une exception. Il monte sur un petit volume aujourd'hui. Il est complètement sur le top d'un couloir. De son couloir. Il y a un petit volume. C'est pas avec Visa que quelqu'un va manger ses bas, là. Excepté que... c'est ordinaire. Comme signal, là, c'est ordinaire. C'est comme hier après-midi qu'il a traversé sa résistance, puis il est encore en hausse aujourd'hui un peu, mais là, il plafonne complètement. Il m'apparaît complètement sur le haut de son couloir. Peu importe de quel sommet que je trace, on arrive partout sur le haut de ce couloir-là. Ça fait que, bon, moi, je pense qu'il a atteint son top, puis ça n'en fait pas un beau signal d'achat. ATD.B payé 46,50 ce matin. Ça, c'était pas votre meilleur trade, ça. ATD.B. Il n'y a pas de potentiel là, sur le couche-tard. Regarde, c'est une grosse, grosse, grosse résistance à vie. 40, j'ai acheté ça ce matin. Pour moi, c'était une très mauvaise idée. Là, là il vaut 46,80. Moi, je sortirais de là. Moi, je débarquerais de là tout de suite à ce prix-là. Tandis que il était à profit. Regarde ça, il a monté avec un petit volume. Puis en fait, il était en baisse là, ce matin. Il est juste remonté à sa résistance. J'ai aucune confiance que le stock va faire quelque chose. Puis le jour où il traversera sa résistance, bien là, on aura une preuve. Là. OK, mais regarde, ça ne traversera pas ça. Là. Bon, quel OK là? Bon, il est midi. OK, je fais une petite pause. Tiens, on va prendre cette pause-là. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Mais je dirais pas que... T'sais, on n'est pas en marché baissier, là, c'est clair. Mais il n'y a pas de secteur qui monte. Il n'y a aucun secteur en cycle haussier. Puis même que c'est très difficile de trouver des stocks en cycle haussier qui sont pas, qui n'ont pas monté depuis deux jours à cause de leurs résultats financiers. Tu sais, un marché baissier, ça peut être assez sournois. Des fois, c'est presque invisible, un bear market, tu sais. Des fois, c'est caché un peu, un bear market. Hein? Fait que,
Ça, c'est mon ours vert. C'est quand je le mets vis-à-vis de mon chroma key, là, de même, bien, lui, il disparaît, comme tout ce qui est vert. C'est ça, mon nouveau décor en arrière. Tout ce qui est vert, regarde, un lighter. Un lighter à barbecue, mais tu ne vois pas le bout qui est vert. Puis les bonbons à Maggie, c'est pareil. Tu vois, tout ce qui n'est pas vert, tu le vois, mais tout ce qui est vert, tu ne le vois pas. Puis pareil d'autre bord, tu sais, regarde, on voit à travers. C'est fort, ce bidule-là, hein? Mais c'est ce qui me permet d'avoir un beau décor, puis qui me permet maintenant d'avoir de la marge de manœuvre aussi ici. J'ai pu l'agrandir parce que je ne cache pas mon graphique. Regarde, là, je peux aller jusque là avant de disparaître. Avant ça, j'étais pogné dans ma petite boîte, dans ma petite mortaise. Bon, ça continue. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Bon, c'est quoi ce support-là? Donc, on regarde ça, ouais. On va mettre ça en 30 minutes. Mettons 15 d'abord, ça va être plus facile. Bon. Donc, le DOR, on a un potentiel jusqu'à 34 770. On est à 34 870, donc on aurait un autre 100 points à perdre, là. Sur le SPY, on est pas mal à côté sur le support. Le prochain, c'est en date du 8 juillet. Sur le TSX, c'est en date du 8 juillet. Sur le Nasdaq, on pourrait redescendre jusqu'au 8 juillet. Puis sur le Dow aussi, mais sur le Dow jusqu'au 8 juillet, c'est pas mal plus. Parce que c'est 34 003. Puis là, on est 34 870. Ça veut dire qu'il y a un 500 points ici, là. D'ailleurs, c'est le 500 points qu'on a gagné avec aucune raison, là, remarquez. Là. Je suis déjà bien surpris que les marchés soient remontés lousse, parce que à chaque fois qu'ils tombent, ils remontent. Bon, on n'est pas dans un bear market, mais il n'y a absolument rien de positif. Ouais, mais regarde, tu fais juste faire de l'argent en day trading, c'est parce que tu forces la note, Trader 46. Tu sais, regarde, je sais, il y a des gens qui disent, ouais, tu dis tout le temps que c'est pas bon, mais ouais, mais c'est pas bon, qu'est-ce que je te dise? Puis en day trading, il faut extrêmement rigoureux, OK? Extrêmement rigoureux, parce que c'est une période extrêmement difficile. Regarde, ça, c'est tous les plus beaux stocks de la journée qu'on avait. Ouais, les stocks à nouvelles, ils ont décollé en hausse, puis ils sont tous désagrégés. Puis, il y en a d'autres qui ont fait quelques petits mouvements, mais, tu sais, regarde, ça dure pas longtemps, là. 61 à 65 cents ici. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Non, ça, je l'avais déjà. Je te dis, là, puis il y a les stocks qui montent beaucoup, qui se font toujours halter, là. T'sais, on a une coupe site, là. Regarde, puis ça décolle à toutes sortes d'heures. Lui, il a décollé à 11 heures, mais après ça, je te dis, regarde, ça dure pas longtemps. SGOC aussi, qui lui a décollé ce matin, fait quelques cycles aussi, mais après ça, ça repère tout. Là. Fait que faut pas forcer la note, là. Il faut être patient. Sinon, regarde, tous les gens là, qui ont fait à leur tête, qui ont tradé du cannabis, là, sont tous dans le chenut, là, parce que là, le cannabis il est retombé. Fait que il faut prendre notre petite traderette, puis il faut calmer son envie de trader. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Vous savez, je le répète souvent, mais le marché, on ne peut pas en inventer un. On peut juste prendre celui qu'on a. Puis quand je vous dis qu'il n'y a rien qui monte, là, je te dis, c'est pas des jokes, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Puis tous les jours, là, je prends mes tableaux, là, les meilleurs stocks de la veille. Le lendemain, ils sont tous à la baisse. Il y en a bien rarement un qui monte. Hop, tiens, la nacelle qui arrive va encore venir faire du grinder. Là, ils ont lâché le sous-sol, puis on est en train de faire des fenêtres en avant. À ceux qui aimeraient piquer un petit somme à midi, Jérôme Powell témoignerait devant le comité du Congrès. Il va sûrement raconter les mêmes mensonges au sujet de son transitory inflation. La question à un million, quand est-ce que les traders vont réaliser que l'inflation est là pour durer? Quand cela va se produire, les métaux précieux vont se mettre à galoper à la hausse.
Moi, je suis prêt. Ouais, mais on voit bien qu'on est sur le bord, mais ça y va pas. Tu sais, le pétrole, on y va pas, mais le pétrole, il n'y a pas grand chance de monter. Il faudrait que les bateaux décollent, que les avions décollent, puis tu sais, je veux dire, il faudrait qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'au moins que la consommation augmente. Mais là, il augmente la production pendant que la consommation, c'est pas vrai qu'elle augmente. Elle augmente pas bien, bien la consommation. Puis déjà qu'on se fait, écoute, on se fait arnaquer à grosse planche, là. J'ai vu le pétrole à 1,40, j'ai vu l'essence à 1,42, moi, hier, là. C'est un nouveau haut historique, ça, là. On était à 1,40 en 2008, quand j'étais au Canal Argent. Puis ça, c'est quand le pétrole, c'est quand le pétrole était à 140$ le baril. Puis là, le pétrole, il est à 75, là. Je sais plus, là. Je l'ai pas regardé ben, par cœur, je m'en souviens plus, là. Powell speak live on policy at the economy before the House panel. Là, là, présentement. Attends un peu, je vais aller chercher le pétrole. Le pétrole. 73 et 73. Bon, tiens, c'est un chiffre facile à retenir. Il est en baisse de 2%, le pétrole, aujourd'hui. Puis le gaz en baisse de 1%. Ça fait que... Mais l'essence est un... Donc, à 73, OK? Donc, on est la moitié du prix qui était en 2008, mais l'essence est revenue au même prix. Fait que on se fait avoir 100 000 à l'heure, là. C'est clair qu'on se fait avoir 100 000 à l'heure là-dedans. Achever un go à quel prix? Achever... H-U-V. C'est pas évident. Ça, c'est à la veille de consolider certains, là, cette affaire-là. Là. Parce qu'il est rendu quand même pas mal bas. C'est bien dur à dire. Il fait pas de volume, hein. Bon, ils vont recommencer la drill. Il faut voir que je change de micro, là. Ça, c'est 13,53. Sa résistance est à 14,80. Fait qu'il y a une pièce, c'est 20 sur 13 pièces. C'est quand même du 10 %, mais par le temps qu'il décolle, je sais pas. Il est super volatile, puis il fait pas gros de volume. Ça fait qu'il y a un stock, il y a un domaine qui fait pas gros de volume. C'est bien, bien erratique. Garde, il y aura une pièce de 13,80 à 14,80, c'est tout ce que je suis capable de voir pour l'instant. Moi aussi, j'ai perdu en day trading. Je vais prendre une traderette et où on achète ça. C'est une farce, Michel. Non, je sais, ça se vend pas, mais j'avais fait ça quand j'étais au Canal Argent. J'avais pris une boîte de traderette, j'en avais fait une photocopie. Puis là, après ça, j'ai mis du tape dessus, puis j'ai changé les mots pour une Nicorette. Puis j'avais transformé une boîte de Nicorette pour calmer son envie de fumer. Puis j'avais transformé ça dans une boîte de traderette pour calmer son envie de trader. C'était ma joke du temps. Je me suis dit, à un moment donné, c'était pour m'en refaire un autre, mais c'est un peu ça l'affaire. C'est qu'on prend. Vous savez, ce qui arrive, là, c'est que les gens, là, ils tradent par dépit. OK? Comment Jocelyn appelle ça, des faux mots. Mais c'est un anglicisme, là, mais c'est d'avoir peur de manquer quelque chose. OK? C'est autrement dit, on trade parce qu'on a peur de manquer le bateau. Mais, tu sais, oui, mais fais attention parce que en ayant peur de manquer le bateau, tu peux rentrer dans un sous-marin. C'est un peu. C'est un... Michel, ouais? C'est le FOMO, F-O-M-O, ouais? Qui faisait Fear of Missing Out. Ah, en anglais, FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ben, c'est la peur de manquer quelque chose. T'sais, c'est la peur de manquer le bateau. En français, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais ils appellent ça le FOMO, Fear of Missing Out. Je vous reviens. C'est sûr, le marché se conduit comme presque toujours ça s'est passé avant un bear market.
Mais il n'y a pas de raison d'avoir un bear market. La seule raison qu'on avait d'avoir un bear market, c'était quand la COVID est arrivée. Ouais, mais le problème, c'est que le marché, il est remonté trop vite. Le marché est toujours 6 mois avant son temps, mais le marché, il est remonté trop vite. Ça fait que, puis là, c'est quoi qui peut amener le marché encore plus haut? C'est les grosses technologies qui continuent quand même à faire des ventes. Des compagnies comme Amazon, mais le monde sont chez eux, puis ça achète pareil, parce que la majorité du monde était payé pareil. Mais il était payé pareil, puis il y avait moins de dépenses. Tu sais, tout le monde qui est en télétravail, là, moi je l'ai dit, le télétravail, ça a été bénéfique pour les employés, là. Écoute, plus personne n'avait à voyager 2-3 heures par jour aller-retour pour aller au bureau, plus personne n'avait des dépenses de transport pour aller au bureau, ni pas d'auto à aller à se rendre au train, pas de train à payer, pas d'autobus à payer, on reste chez nous, ça prend moins de linge, t'as plus de lunch à faire, puis tu sauves 3 heures, 2 à 3 heures par jour. En n'ayant pas besoin. Les femmes n'ont pas besoin. Lui, la fille qui répond au téléphone pour le gouvernement, là, qui reste chez eux, là, elle n'a plus besoin de se maquiller pendant 3 quarts d'heure le matin, là, puis tout n'importe quoi. Elle peut rester en pyjama si elle veut pour répondre au téléphone. Fait qu'il y a un gros paquet d'avantages là, dans le télétravail. Mais ça a créé des dépenses qui ont fait continuer à monter. Ouais, les compagnies ont continué à vendre des téléphones, à vendre des services Internet, à acheter toutes sortes de cossins sur Amazon. J'ai jamais tant acheté en ligne de toute ma vie. Dans l'année et demie qu'on vient de passer là. Fait qu'il y a des affaires, eux autres, qui ont continué. Mais, moi, là, je vois, écoute, allez faire... regardez sur la rue, là, combien il y a de magasins qui sont plus là, qui sont plus ouverts, là, qui sont plus fermés, là. C'est plein. C'est plein dans les gros centres d'achat. Hey, vous allez dans les centres d'achat encore, Galerie d'Anjou, là. Il y a un paquet d'affaires que le monde n'a pas les moyens de payer là-dedans. Premièrement, il n'y a pas tant de monde que ça dans le centre d'achat. Qui c'est qui va aller prendre le risque de payer des loyers de gros centres commerciaux à part les grosses entreprises? Fait que c'est un marché pas mal foutu, bizarre là, dans le moment. Mais je vois pas de raison d'avoir un gros bear market, mais je vois pas de raison non plus pour que le marché monte. Je vois pas de raison pour que le pétrole monte. Puis, comme on disait tantôt, peut-être juste que si l'inflation va finir par faire son chemin, le pétrole est à 1,40 $ le litre. Voyons, ça n'a même pas d'allure. OK? Puis là, puis regarde, c'est peut-être pas fini. Fait que tout le monde qui ont des gros VUS, puis des bateaux, là, puis ces affaires-là, là, hey, même mon Jeep, je n'avais jamais été capable de mettre plus que 60 $ de gaz là-dedans. J'en ai mis 72 hier. Ben oui, à 1,42 $. Ça fait que, puis encore là, j'ai vu hier deux stations de service qui n'avaient pas d'essence super. Il y avait juste de l'essence ordinaire. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé la raison. Il a demandé au gars, mais il ne savait pas. Michel, les gens trade pour 30 transactions par mois pour payer moins cher. Mais si tu perds de l'argent dans des transactions, tu n'es pas gagnant. Les airlines partent en hausse à matin. Ça a tout dégonflé. Bien, c'est sûr. Moi, je l'ai dit un matin aussi. Il n'y avait pas de raison. C'est même pas Delta Airlines qui montait le plus, c'était American Airlines. Mais ça a monté sur la nouvelle qui ont dit qu'ils avaient fait des profits depuis la première fois depuis 2019. Mais ils ont fait des profits parce que le gouvernement a payé les salaires. Ils n'ont pas fait des profits parce qu'ils ont vendu bien des billets. Puis encore là, je pense qu'ils ont déjà vendu bien des billets d'avance. Si je ne me trompe pas, là. Je pense qu'ils ont déjà commencé à faire des préventes. Ça fait que les avions, ils ne volent même pas. Les frontières sont encore fermées, là, complètement fermées. Puis il y a des places, c'est bien pire. Là. Je parle toutes les semaines avec mon amie en Allemagne. Ben, elle dit que la situation est épouvantablement critique là-bas. Là. Ça va super mal. Oui, les airlines sont toutes décollées, comme toutes décrochées.
Puis ma job la plus importante de ce temps-ci, c'est de retenir le monde à pas faire des, pas des beaux trades, à faire des mauvais trades. Parce que il achète sur le haut des couloirs, il achète quand il n'y a pas de volume, il achète quand les résistances ne sont pas traversées, il achète quand les signaux sont les quelques signaux qui ont monté un peu, qui les achète trop loin. Puis regarde, c'est je le répète souvent, ma mission numéro un, c'est d'empêcher les gens de faire de l'argent, OK? De faire que les gens vont en prendre mieux comme entre-aider, de calmer les gens, de refroidir les ardeurs. Puis quand ça va devenir hot, regarde, quand il y a un secteur qui va décoller quelque part, je vais être là puis je vais vous le dire, OK? Puis je vais vous le dire. Je les surveille toutes, mais j'en connais pas un. Puis c'est extrêmement rare. On fait des scans, là, dans le moment, là, Jocelyn me disait, puis je fais des scans depuis tout à l'heure, là, puis c'est les mêmes titres que matin. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui se passe. Puis, au compte. Puis tous ceux qui ont décollé, bien, ils sont tous décrochés. Je sais, c'est un peu plate. Moi aussi, j'ai hâte que ça décolle parce que ça va être bien plus intéressant de faire des émissions dans ce cas-là. Sont là, tiens, les airlines. Fait que tu vois, on a eu un petit rebond tout à l'heure. Là. Ça montre que la tendance a changé, elle est moins abrupte, mais elle reste baissière pareil. Fait que il n'y a pas un seul stock positif. Regarde. Puis les secteurs les plus à la mode, regarde, les autos électriques sont tout en baisse. Les composantes de pièces électriques sont toutes en bas. On a eu un petit rebond tantôt de 25 cents sur plug. Tu sais, c'est rien, là. Mais regardez pour la journée. Hey, c'est gamme. C'est comme le Mont-Saint-Sauveur, ça, cette affaire-là. Tu sais, tout est en baisse. Les airlines, on l'a vu, les récréationnels, regarde, ça a tout parti en hausse, les Carnival, puis les Royal Caribbean, puis MGM, puis Caesars, puis Expedia, puis TripAdvisor, Wynn, Norwegian, AMC, lui, est en baisse. Mais tu sais, la plupart ont parti en hausse ce matin, puis là, ben, ils sont tous en baisse. Il n'y avait rien d'inversé. C'est ceux qui se font pogner là-dedans, mais là, ça coûte cher, là. CU potentiel pour un achat. CU Canadian Utilities. Oh, on est loin de la coupe aux lèvres. Pour l'instant, regarde, on a une méchante grosse résistance là à 36$. Quand il est arrivé à cette résistance-là, le titre a reviré de bord. Puis là, ben, dans le moment, regarde, à moins qu'on reparte par en haut, on est dans un couloir baissier. Fait que c'est pas aujourd'hui ni demain la veille là, que ça va être intéressant là-dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Là. Regarde, si tu fais un scan pour trouver des stocks qui montent, là, tiens, on va faire ça, tiens. Regarde, on va se mettre là. Un peu. Je vais me mettre dans ces cotes-là. Puis je vais faire un scan des gagnants des titres qui montent le plus aujourd'hui, OK, en absolu puis en dollars. Tiens, sur Nasdaq. OK. Donc, ben, tu sais, Google, il monte de 23$, mais sur 2570$. Lululemon, 14$ sur 385$. Donc, les grosses hausses qu'il y a là, ça a l'air bien impressionnant. Mais quand tu regardes ça, il y a Lululemon, oui, mais ça doit être un résultat financier anyway, puis il n'y a pas de potentiel. Mais les hauts sont pas. C'est juste des gros titres qui sortent. Si je fais le même exercice, mais je le mets en pourcentage, là, on va avoir les plus petites compagnies. Puis là, on va se mettre ici. Tiens, regarde, on voit les stocks qui sortaient ce matin, là. USEG, qui a monté de 2,90, c'est 69%. Puis là, regarde, c'est tous des pourcents des affaires à la hausse. Fait que là, si on regarde ces stocks-là, celui-là, on l'avait déjà dans nos day trades. Je vais mettre juste, mettons, deux minutes. Bon,
ou même une minute, là, parce qu'on on voit toute la journée avec une minute. Bon. Après ça, tu as eu WLHM, il a monté ce matin, mais là, il n'y a plus rien qui se passe là. Puis c'était juste une belle grosse chandelle, comme il fait de temps en temps. Mais Datacy, c'est encore en hausse, mais regarde, ça a ouvert en bas, en hausse, puis c'était en chute. Ça a ouvert en hausse, puis ça n'a pas continué à monter. Ça, c'est SOGC, c'est un autre de nos stocks de day trade, mais qui ne fait plus rien, qui a viré de bord. Accélérix non plus. Tu vois, regarde, il y a eu un petit mouvement ici de tantôt, puis ça a été de 5,50 à 6,10, puis il est revenu à 5,30. Fait que les affaires ne tiennent pas le coup. Minimes, on avait ça, c'était un stock à nouvelles de ce matin, il est redescendu, là, il pourrait faire une petite hausse, mais regarde, il n'y a pas de volume dedans, il ne se passera rien. Non, mais je te dis, c'est écœurant, il faut que tu travailles fort en crime pour trouver quelque chose qui est crédible. Par contre, si je regarde, parce que pour des signaux à la hausse, ça n'en vaut pas bien, mais là, je vais te faire le contraire, je vais demander les perdants en pourcentage depuis ce matin. Tiens, on va commencer par Nasdaq. Bon, les perdants, ben, tu regardes, les perdants, eux autres, sont pas mal plus évidents. Okay, regarde-moi les grosses débattes, ALNA, regarde ça, paf, qui vient de chuter là. Donc, regarde, les cotes baissières sont beaucoup plus évidentes que les cotes haussières. OK? Ça fait que des chutes, c'est pas ça qui manque. Là. Il y en a plein, plein, plein. Puis beaucoup sont des signaux baissiers là-dedans. Fait que quand tu fais la comparaison entre les titres qui montent et les titres qui descendent, tu vois qu'il y a une bien grosse différence. Et puis, quand tu arrives dans ces secteurs-là, dans la liste 6 ici, tiens, je vais regarder les cotes de la journée. Regardez les cotes de la journée dans le secteur de l'automobile. OK? Regarde. C'est toutes des baisses. Toutes des baisses. OK? La dernière, la cote, il y en a qui sont à la hausse quelques-unes, mais pour la journée, regarde, c'est toutes des dollars à la baisse puis des pourcentages à la baisse. Les composantes, regarde. CBAT puis VRM qui montent de 2 cents. Puis de 8 cents. Les autres sont toutes à la baisse. Les compagnies aériennes sont toutes à la baisse, puis ceux qui montent, ils montent d'une cent ou de deux cents ou de 10 cents. Puis dans les récréationnels, regarde, les compagnies sont toutes à la baisse. Puis, tu sais, quand tu mets code J là, à côté du en ligne, là, code J, ça te montre les codes de la journée. Bien, regarde, tu passes d'un tableau à l'autre, là, c'est facile, là, tu vois bien par la couleur qu'il y a bien plus de stock qui descend que de stock qui monte. Puis Expedia est en hausse de 78 cents, mais sur 162 piastres. Est-ce qu'il y a des stocks qu'on pourrait vendre à découvert dans cette journée baissière? Ah, bien, oui, il y en a tout le temps. Oui, il y en a tout le temps. Regarde, de ce temps-ci, il y en avait plein. Il y a du monde qui sont à découvert dans le cannabis, il y a du monde qui sont à découvert dans les autos électriques, il y a du monde qui sont à découvert dans les compagnies aériennes, mais encore, il faut le faire au début d'une baisse, OK, et non pas à la fin d'une baisse. Donc là, dans les autos électriques, ça s'y prêtait un peu pour la barre de découvert aujourd'hui parce qu'on est en train de traverser des supports sur la majorité des stocks. Regarde, on va regarder ici, là. C'est moins populaire, la vente à découvert, parce que c'est plus compliqué pour la majorité du monde, là. OK, puis regarde, ici, là, on inverse la tendance puis on brise les supports sur NEO, sur ELI, sur XPEV, sur Churchill, c'est pas un signal, c'est des signaux. Okay? Donc, quand l'ensemble d'un secteur traverse son support, bien, c'est là que c'est le plus propice. Ton opinion sur les stocks de pétrole, exemple TRP, Enbridge, PPL, avec le prix du baril à ce prix? Avec le prix du baril à ce prix, ça a quoi le rapport avec les pipelines, le prix du baril? Le prix du baril, ça n'influence pas bien les pipelines. Là. Les pipelines, eux autres, sont payés à la quantité qu'ils transportent, là, simplement. Ça n'a pas rapport avec le prix du pétrole, ça a rapport avec la demande de pétrole. Plus les pipelines transportent de pétrole, bien, plus tu fais de l'argent. Ils sont payés pour ça. C'est ça le revenu d'un pipeline. Il ne fait pas d'argent avec le pétrole. Lui, il fait de l'argent en chargeant pour le transporter. Au lieu de le transporter en camion, il transporte dans un tuyau. On va quand même regarder pareil ENB. Regarde, un top, puis c'est en correction.
TRP. On a vu le top. Maintenant, on est un peu plus dans un couloir baissier. On a inversé la tendance, puis on s'en va vers le support. Puis PPL, c'est la même chose. Il n'y a rien de positif dans les pipelines. Ils sont encore sur leur haut. Eux autres, ils ont monté parce qu'ils ont transporté des produits. Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire là-dedans. Je crois que le seul secteur qui a potentiel présentement, c'est le secteur orifère. Oui, mais quand il repassera, là, OK? Quand il traversera, là, OK? TGD, là, il n'est pas traversé. Donc, on a inversé la tendance. On est en correction. Puis là, on n'a pas réinversé la tendance baissière. On est toujours dans un couloir baissier. Ça fait qu'on doit absolument faire un nouveau haut solide, là. Puis je pense que c'est juste quand on va avoir des nouvelles sur l'inflation qu'on va peut-être voir l'or remonter. On dirait que LEV s'en va sur son creux d'ouverture en bourse du 13 mai. Bien, il s'en va par en bas, c'est clair. LEV. Le LEV. Ben oui, c'est clair. Regarde. Ben en fait. C'était pas son creux d'ouverture, c'est son creux après ouverture, mais pour l'instant, il descend comme une chute. C'est comme les chutes Niagara, là. Okay? Puis il tombe pas sur des... Ben, il fait jamais du gros volume, lui, mais il tombe quand même sur des volumes en augmentation, donc il est pas trop positif. TFI, nouveau, aujourd'hui, ton opinion, je ne tiens pas le titre. OK, je ne tiens pas là tantôt. Ça fait au moins trois fois que je l'annonce, que je l'analyse ce matin. Regarde, il a fait. Ça devait être probablement un résultat financier de TFI international. Je ne me souviens pas ce qu'il fait. Il me semble que c'est dans le transport, eux autres. Donc là, il a fait un gros mouvement pour ce matin, mais on est complètement sur le haut de son couloir. Fait qu'à mon avis, il a fait ce qu'il avait à faire pour la journée, à savoir est-ce qu'il va encore continuer demain. Bien, il a fait 114, 123, presque 10 piastres. En fait, il a fait 10 piastres à peu près aujourd'hui. 9 et 14. Okay. Donc, il a fait 9 et 14. Puis là, bien, il est complètement plafonné. Le seul moment qu'il y aurait un autre signal d'achat là-dessus, c'est quand il repartira à 124 piastres. Puis, mais comme j'ai un sérieux doute que c'est un résultat financier, mais, tu sais, c'est parce que faut quand même vous dire que c'est une compagnie solide, là, TFI, là, regarde, c'est une des rares compagnies qui a autant performé, là, fait que, donc, elle trouve plus d'acheteurs sur le marché, mais pour l'instant, c'est plafonné. Je pense qu'on s'en va plus du côté de la correction présentement. Analyser EIF. EIF. À Toronto? Oui. Bon, il n'y a rien à faire avec ça. Petit point intéressant à miette. Tant qu'il ne bougera pas de là, il est collé là, puis il va rester là. Puis en plus, il n'y a pas de potentiel ben. Bon, quoique, il y a 10 % pour atteindre son top, mais pour aller à 45 $. Mais il n'ira pas à 45 $ sans passer par 42. Là, ici, il n'y a pas de marge de manœuvre là-dedans. C'est une petite ben tranquille, là, pour l'instant. Est-ce le moment de faire des ventes à découvert? Bon, on a répondu à ça un peu tantôt. Pardon, attendez, je vais aller chercher quelque chose à boire. Fais une autre petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, attends, excusez.
Je suis le titre de Mogo sur Canada. Canada. M-O-G-O. Ben, tu vois, ça en est un exemple de possible vente adéquate, ça. Depuis quelque temps, pensez-vous qu'il y aura un renversement de la tendance baissière prochainement? Plusieurs analystes voient ce titre autour de 12 piastres d'ici un an. Ouais. Ça me fait toujours rire, les prévisions des analystes. On a vu dernièrement là, des cas des affaires, là, des prévisions de 100 % puis 200 % puis de clapotant de même. Fait que, oubliez pas que les analystes, dans la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent pour des maisons de courtage, qui possèdent des grosses positions, puis qui font ce que la maison de courtage leur dit de faire. Ils sortent un mémo, là, puis écoute, j'ai connu je ne sais pas combien de courtiers dans ma carrière qui ont lâché à un moment donné dans le courtier, puis ont dit « Moi, je suis écœuré de faire perdre l'argent du monde parce que notre société, elle nous demande de recommander ces stocks-là parce que les autres, ils veulent baisser leur inventaire, puis nous autres, il faut les garocher dans le compte des clients. » Ça, c'est pas d'hier que ça existe, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a les mêmes pratiques, mais les recommandations d'achat, là, c'est pas toujours vrai. En tout cas, moi, je vois Mogo comme une vente à découvert aujourd'hui. Là. Regarde, il a inversé sa tendance, puis en plus de ça, il passe le support du mois de février. Fait que, ça regarde pas bien. C'est quoi l'indice des blockchains? C'est Block. BLOK à New York. Ouais, c'est ça. C'est BLOK à New York. Puis en passant, blockchain, là, c'est comme le reste, regarde, ça tombe tout. Ça plante tout. Tu sais, l'affaire des Wall Street Bets qui avait dit qu'il ferait monter le Bitcoin, un Bitcoin de 500 % là, dimanche, là, c'était de la foutaise, cette affaire-là. Ils se sont plantés. Ça n'a pas marché, leur affaire. Ils ont dit qu'elle n'avait pas marché aussi bien qu'ils auraient voulu, mais ils n'ont pas donné de résultat. Fait que Jocelyn suivait ça sur leur site, puis ça a été complètement de la chenoute. Pouvez-vous expliquer pourquoi le raffineur VLO baisse alors que le pétrole est stable depuis un certain temps? C'est Valero. Ben écoute, j'ai pas toujours l'explication de tout. Moi d'abord, premièrement, j'étais un gars technique, là. Mais c'est Valero Énergie. La raison pour laquelle il vend, il descend, c'est parce qu'il y a des vendeurs plus que des acheteurs. Ça, c'est clair. Mais pourquoi il y a plus de vendeurs que des acheteurs, je ne sais pas. C'est loin d'être un des plus performants du milieu, parce que dans le secteur énergie, l'USO est encore en hausse, le gaz est encore pas mal sur son haut, mais la plupart des pétrolières, regarde, le Dow Jones, USUN, il descend. Donc, Valero, il fait ce que le secteur énergie fait. Parce que, regarde, dans le secteur énergie, là, la seule chose que je vois, c'est des stocks qui font pareil. Regarde, Schlumberger, il descend. Halliburton, ça descend. National Oilwell, il descend. Marathon, il descend. Tu sais, regarde, ils descendent tous. OK? Donc, il descend parce que tout le secteur descend. Il n'y a pas, c'est pas juste lui. Même qu'il descend peut-être même un peu plus que les autres, mais c'est... Le pétrole monte, mais pas les pétrolières. Bon, 12h32. OK, une heure et peut-être la même chose, c'est déjà pas mal long. Ça fait que je vais aller manger et puis je vais revenir sur Guru.tv à 14h. Merci d'avoir été là, puis passez une excellente après-midi. Je reviens tantôt.